Et bonjour, nous nous retrouvons aujourd'hui pour une vidéo GTA 4. Et donc, dans un petit peu plus longtemps, des vidéos du 5. Donc, cette vidéo consistera à vous apprendre à bien conduire dans GTA 4. Donc, voilà. Allez, c'est parti. Donc c'est parti. Là, je vous fais une petite démonstration. Ah, voilà, ça c'est pas ma spécialité, donc voilà. Ah voilà, ça c'est un truc normal. Tous les gens, quand vous arrivez en contresens, ils vous rentrent dedans, mais ils se mettent bien au milieu de toi, tu vois. Bien pour que tu te freines, tu vois, que tu t'emplâtres. C'est un truc de malade dans ce jeu. Bon, désolé, mais après vous m'entendrez moins parler, donc du coup ben je baisse un peu le son. Donc allez, c'est reparti, mais cette fois je vais vous expliquer en détail comment faut faire. Donc déjà faut trouver une bonne ligne droite. Je sais pas si on va y arriver à trouver une ligne droite, hein. Donc allez, avance. Bon, bref, je vais vous expliquer voilà, ici. Donc on parle du feu. Dès que ça passe au vert, on y va. Et donc déjà, vous accélérez à fond. Dès que vous voyez quelqu'un, vous commencez à tourner avant. Je vais vous montrer. Allez, go. Vous voyez, là, vous voyez quelqu'un, vous tournez avant. Hop. Ensuite, là, pareil. Vous voyez quelqu'un, vous arrivez un peu fort. Hop.
Et vous vous redressez. Là, vous passez au mieux. Hop. Vous passez avant. Là, s'il y a quelqu'un, tac. Et si vous n'arrivez pas, vous tirez un peu de fin, ça, elle va réadhérer, elle va... Et elle va le doubler. Si vous voulez savoir où se cache la voiture que je conduis, donc vous allez à la troisième ville. Et elle se trouve... ici. Exactement dans ce secteur-là. Voilà, là où je mets là où je fais le cercle. Donc voilà, c'est pas très simple, c'est pas très dur à trouver. Faut juste aller chercher derrière un bâtiment qui est sur L2. Donc voilà. Voilà. Bon après, donc je vous dis, moi je suis pas une pilote. Hein. Donc je fais pas des miracles non plus. Donc voilà, je vous dis quoi. Il y en a vraiment qui conduisent beaucoup mieux que moi. Et regardez-moi le. Vous voyez, vous tirez contre les barrières. Mais comme vous venez de le voir. Vous risquez surtout de frotter contre le bord et d'abîmer votre caisse. Donc vous pouvez doubler aussi comme je viens de faire. Par exemple, vous avez des voies. Après, je vais vous apprendre aussi parce qu'il y a le drift. Mais, je sais pas, je vous le ferai en une vidéo entière parce que là, je vais vous faire une petite démonstration, mais ça sera pas... pas comme bon après j'ai pas pris la bonne voiture pour parce qu'elle accroche trop en fait. Il y a certaines voitures que elles accrochent trop pour drifter en fait. Après il y a certains que vous verrez des vidéos que avec la voiture que je conduis ils font des super drift. Mais ne croyez pas que c'est comme ça sans rien. Donc ils ont mis des modes, etc. etc. Donc, ne croyez pas qu'une voiture comme j'ai là, ça glisse comme dans certaines vidéos que vous voyez sur YouTube. Donc voilà. Donc je vous préviens. Vous voyez, c'est un peu presque impossible. Bon, moi j'y arrive, mais c'est limite, hein, je vous dis. Donc, ne vous fiez pas à moi, donc. Vous fiez plutôt à la vidéo, non la vidéo. Donc, allez, c'est parti. On va refaire comme tout à l'heure. Vous voyez là, on passe là, hop. Vous faites des genres de zigzag quand vous voyez qu'il y en avait beaucoup. Vous faites comme ça. Là, vous voyez qu'il y en a beaucoup. Pour passer au milieu, vous faites comme ça. Aïe. Bon voilà. C'est vraiment le truc banal des taxis. Alors là, les taxis, c'est le pire. En plus, tu me vois en contre-sens. Bon voilà, aussi je vous ai pas dit, parce que quand vous rentrez dans un flic, et ben, vous avez une étoile, si vous leur tirez dessus, deux, etc. etc. Et donc, il faut que vous les semiez. Bon, voilà quoi. Bon, moi j'ai les codes, mais je vais pas m'en servir pour vous illustrer un peu. Donc, voilà. Qu'on sort de là parce que avant que il nous refoque. C'est bon, nous les avons semés.
Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura bien aidé pour mieux conduire dans GTA 4 et vraiment conduire très rapidement dans ce jeu qui est vraiment très bien. Donc allez, à plus pour de nouvelles vidéos.